Regardez les filles, mon nouvel étui de chez Wild. Franchement, il est trop canon. Je vais vous montrer juste après comment justement remettre des recharges à l'intérieur. Quand la recharge est terminée, c'est très facile. Mais je voulais vraiment vous montrer l'étui parce qu'en fait, je suis trop fière de travailler avec Wild et de collaborer avec eux. Parce que là, justement, ils font une collaboration avec Disney. Regardez, pour la sortie du film La Petite Reine. Donc, à l'occasion, ils ont sorti un étui spécial. Et ils ont sorti aussi une nouvelle odeur. Et elle sent méga trop bon. Ça sent l'océan. Enfin, franchement, j'adore cette odeur. Il y a une odeur de frais. Je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer comment on met la recharge et je vais vous parler un petit peu plus de Wild pour ceux qui ne connaissent pas. Regardez les filles, mon nouvel étui de chez Wild. Franchement, il est trop canon. Je vais vous montrer juste après comment justement remettre des recharges à l'intérieur. Quand la recharge est terminée, c'est très facile. Mais je voulais vraiment vous montrer l'étui parce qu'en fait, je suis trop fière de travailler avec Wild et de collaborer avec eux. Parce que là, justement, ils font une collaboration avec Disney. Regardez, pour la sortie du film La Petite Reine. Donc, à l'occasion, ils ont sorti un étui spécial. Et ils ont sorti aussi une nouvelle odeur. Et elle sent méga trop bon. Ça sent l'océan. Enfin, franchement, j'adore cette odeur. Il y a une odeur de frais. Je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer comment on met la recharge et je vais vous parler un petit peu plus de Wild pour ceux qui ne connaissent pas. Donc les amis, en gros, je vous explique. Wild, c'est un déodorant qui est naturel. C'est également présenté dans un étui, vous voyez, qui est réutilisable. Donc, fini de polluer la planète, de jeter des choses, c'est réutilisable. Vous avez juste à utiliser des petites recharges qui sont naturelles, justement, et compostables. Donc, ça, c'est vraiment le top. Vous avez juste à avoir votre étui et vous avez juste, au lieu de racheter tout un étui en emballage, qui coûte quand même assez cher, vous avez juste à racheter des petites recharges compléter justement dans votre étui. Et ça, c'est vraiment une des qualités premières chez Wild. Les amis, je vous montre justement comment recharger votre étui réutilisable de chez Wild. Vous avez deux petites pressions juste ici. Vous prenez, hop, vous tirez, vous venez mettre votre petite recharge compostable juste ici et naturelle. C'est très important, il faut savoir que c'est des recharges qui sont naturelles, donc qui ne vont absolument pas agresser la peau. Vous faites comme ça, vous remettez votre petit tambour et le tour est joué. Vous tournez comme ça et là vous avez votre déodorant qui sort tout simplement. Vraiment les amis, je vous promets, c'est un des meilleurs déodorants que je n'ai jamais connu de toute ma vie. Et j'ai mis des années à en trouver un qui me correspondait. Avant, ça m'agressait toujours la peau. Quand je me rasais, ça me brûlait. J'étais obligée de faire comme ça. J'avais quand même des odeurs qui apparaissaient au cours de la journée. Alors que là, pas du tout. En plus, il a une texture qui est hyper crémeuse. Donc, ça ne va absolument pas agresser votre peau. Ça ne va pas l'irriter. Vous voyez, hop, vous appliquez comme ça. Et en fait, c'est comme si c'était une crème. Et je vous explique même pas l'odeur. En plus, ça tient toute la journée, les filles. Donc ça, c'est vraiment le top. Mais l'odeur, elle est juste incroyable. Évidemment, vous avez plusieurs odeurs sur le site, hein, les filles. Hein. Donc, il n'y a pas de produit chimique à l'intérieur qui obstrue les pores, les filles. C'est ça qui est très important et c'est ça, en fait, qui va permettre d'avoir justement cette sensation de fraîcheur, surtout avec cette odeur. Donc, ça, c'est l'odeur en collaboration avec Disney. Vous allez avoir une sensation de fraîcheur. Elle sent trop, trop, trop bon. Franchement, c'est un truc de fou. Mais comme je vous ai dit, vous avez plusieurs étuis. Vous pouvez également personnaliser. Vous pouvez mettre votre prénom ici à offrir. C'est très sympa aussi. Et vous avez plein d'odeurs. Donc, plusieurs étuis avec des couleurs différentes et plusieurs odeurs sur le site. Puis pour vous expliquer ma petite histoire avec Wild, en gros je vous explique, j'ai une peau qui était très, enfin qui est toujours d'ailleurs, qui est toujours très sensible. Et c'est vrai que j'avais tendance à faire pas mal d'eczéma. J'en fais toujours un petit peu quand je suis hydratée ou quoi que ce soit. Et du coup je mettais des déodorants en fait qui agressaient ma peau. Et depuis que j'ai découvert Wild justement, c'est hyper agréable pour ma peau parce que c'est très doux justement pour ma peau et ça ne l'agresse pas. Il faut savoir également qu'il y a une gamme sur le site, les filles, une gamme spéciale peau sensible. Petit point également pour Wild. Il y a plus de 15 000 avis et positifs, bien évidemment. Et il faut savoir que c'est noté 5 étoiles sur Trustpilot. Évidemment, hein, j'ai un petit code de réduction à vous proposer, les amis, puisque vous avez moins 20% sur tout le site. Avec le code Capucine, vous allez profiter de 20%. Mais attention, puisque le code est disponible seulement pendant 48 heures. Si vous voulez avoir accès à moins 20%, vous pouvez même avoir accès avec la collaboration Disney. Hein. Les 20%, c'est surtout le site. Mais attention, parce que c'est seulement 48 heures. Les filles, ça y est. Et les garçons, je me fais vieillir. Hier, je me suis couchée à 1h du matin. Et genre, je suis super fatiguée, là. Ça... On prend un coup de vieux quand même hein, quand on devient parent. Hein. On prend un petit coup de vieux direct. C'est pour ça que je rêvais toujours d'être une maman jeune. Genre, moi, je voulais trop être maman genre vers 22, 23 ans. Bon, la vie a fait que
Je suis maman à 31 ans et c'est le plus beau cadeau du monde parce que j'avais trop envie d'avoir un bébé et vous savez que j'ai eu des petites complications et que j'ai eu du mal à tomber enceinte. Donc, vaut mieux à 31 ans que jamais, bien évidemment. Mais c'est vrai que moi, j'aurais adoré être maman genre à 22, 23 ans. 22 ans, c'est ma toute première télé. À 20 ans. 21 ans, pardon. Tout le monde, je viens de rentrer. J'ai été faire des petites boutiques. J'étais avec ma maman et ma mamie. Voilà, ça m'a fait trop plaisir de voir ma grand-mère. Ma petite grand-mère qui est dans un EHPAD, la pauvre. Je suis trop triste. Mais ça m'a fait trop plaisir. J'ai passé du temps avec elle. J'en ai profité du coup pour faire des petites courses pour Lola. Je lui ai acheté un maillot de bain pour cet été à ma fille. Je lui ai acheté des collants. Enfin bref, j'avais deux, trois petites choses à acheter. On a pris un petit goûter. Voilà, on s'est fait une petite terrasse. Et puis je viens de rentrer. Là, ma fille, elle est avec la nounou. Elle est au parc. Elle est en train de faire une petite balade. J'ai hâte qu'elle remonte comme ça. Je retrouve vite mon petit bébé, ma petite princesse. Et du coup, voilà. Du coup, je me pose un petit peu. J'ai pas mal de messages pour ma lessive que j'utilise pour Lola, vous savez, la lessive 100% naturelle de chez Nat Clean. Sachez que j'aurai un petit code de réduction à vous proposer dès dimanche pour la gomme nettoyante. Je vous referai une petite démo pour la gomme parce que vraiment cette gomme elle est trop bien, ça m'enlève toutes les tâches et je vous donnerai un joli code de réduction pour Nat Clean puisque vous êtes nombreuses à m'en demander un. Les filles, le dernier biberon de Lola, il est à peu près vers 18h10 parce que après je la mets au lit à 18h30 et elle s'endort vers 18h40. Après ça dépend, tout dépend de sa sieste de l'après-midi, si elle est longue ou pas. Donc soit je lui donne à 18h10, soit je lui donne à 18h30, mais la plupart du temps je lui donne à 18h10 parce que Lola, c'est vrai qu'elle fait des nuits de 18h30 à 6h30 du matin. C'est une couche tôt et une lève tôt ma fille. Mon dieu, les filles, je craque. Regardez le petit maillot de bain que j'ai trouvé. Je l'ai trouvé chez, pardon, chez Petit Bateau. Il est trop choupi. J'adore. Donc, j'ai pris du... C'est quoi la taille que j'ai pris? J'ai pris du 12 mois parce qu'en fait, on m'a dit qu'avec la couche et tout, même si elle avait 9 mois cet été, qu'il fallait que je prenne plus grand. Voilà, je trouve ça trop mignon avec les petits volants là, comme ça. Oh là là, elle va être trop mignonne. J'ai trop hâte de vous faire une petite photo avec ces petites gambettes là, pleines de lait. Alors ma fille, alors mon petit chaton dans ton petit pyjama là, t'es trop mignonne avec tes petits pieds à l'air. T'as fait un gros dodo mon bébé d'amour. Oui, tu regardes Connie? Tu regardes Connie?